Et salut à tous et tous, c'est Chiros sur la chaîne Chiro Gaming, j'espère que vous allez bien. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je l'ai aspiré, un Slim Rose. Mesdames et messieurs, je suis tout nouveau sur le jeu, peut-être vous le connaissez, on est sur Slim Rancher, le jeu est sorti déjà depuis de nombreuses années. Il était en promo à moins de 2€ sur Steam au moment où je l'ai acheté avec le Black Friday. Donc je suis bien content de pouvoir le tester, ce petit jeu. Et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais je sens qu'il va être très addictif. À pieds joints, espace pour sauter, majuscule pour sprinter. Jusque là, tout va bien les amis. On connaît un petit peu la musique. Alors aspirez comme les pros. Votre aspi pack. Ok, donc on a un aspi pack. Et donc là on peut tirer et clic droit on peut les aspirer. Ok, d'accord, parfait. Jusque là ben, ça va, rien de très compliqué non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez aspiré un slim. Molette de la souris, sélectionnez un réservoir. Ah oui, en bas là vous avez un 2, 3, 4. Oui, d'accord. Et clic gauche pour tirer. Hop, et voilà, on l'a mis à l'intérieur. Tiens, c'est quoi l'étoile? C'est quoi l'étoile là? Je dois l'aspirer. Que je l'ai aspiré l'étoile là? Aucune idée. Je sais pas si je l'ai aspiré ou pas. Ok, on a mis notre slim à l'intérieur. Ça y est, c'est terminé le tuto? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a encore des autres petits slims là. Ah, il y en a là-bas. Regardez. On aspire tout, nous. Ah, nous, on aspire tout. Ouh, on a aspiré aussi un poussinou. C'est quoi ça? Un poussidou. Si petit et doux qu'il semble être rempli de marshmallows. Et une étoile. Est-ce qu'on peut l'aspirer l'étoile? Ah non, l'étoile nous indique où on doit aller. Ok, d'accord, attendez. On va mettre les slims ici. Hop. Et poussinou, on va le mettre là. Et alors j'ai quoi? J'ai une pilote rose. Je sais pas trop ce que c'est. Vous avez acquis un porte de slim. Il faut aller ici, d'accord. Le marché de portes vous donne des néobucs en échange des portes durement acquis. Tirez un plot. C'est quel vocabulaire là? J'ai jamais appris ce dictionnaire moi. Tirez un plort sur le marché de portes et gagnez de l'argent. Ok, donc là on peut tirer, c'est ça? Oups. Tirez là. Ah! Zut, oui, très bien, j'ai gagné 11 balles. Ok, parfait, donc tirer, clic gauche. Mais ça y est, j'ai tiré déjà. Ok, c'était tout? Attendez, il y a un autre slim là, on peut le capturer. On peut le capturer, et ça aussi, on peut le capturer. Voilà, et on va aller les mettre à l'intérieur de notre truc ici. Voilà, parfait, ils sont 3. Oh, il est où le petit poussin? Ah, il est là, regardez le petit poussin. Oh, il est tout mimi. Je suis pas sûr qu'il faut le foutre là, le pauvre. Regardez, il sait même pas marcher. Attendez, on va le... Oh, on peut l'aspirer comme ça. Ah oui. Oh, le pauvre. Attendez. Non. Ah, j'ai aspiré tous les slims. C'est pas ce que je voulais faire. Ok, le petit poussin, je vais le garder sur moi pour l'instant. Je suis pas sûr qu'on doit l'aspirer ou pas. Oh, viens ici, toi. Tu m'échapperas pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Appuyez sur E pour activer. Ça, c'est quoi? Ça coûte 250 balles. Ah, on peut activer un deuxième... une deuxième zone. Ah, oh, on peut faire aussi un petit jardin. Rien ne vaut le goût des aliments que l'on fait pousser. Ok, donc ça, c'est pour capturer les slims, je pense. Ça, c'est pour le jardin. Oh, un poulailler. Oui. Voilà. Oh, je peux mettre mon petit poussin ici, je pense. Oh, le pauvre. Ça va? Oui, ok, ça va. Il était un petit peu assommé. Ok, tout va bien. On a reçu un courrier à la maison. Rendez-vous à votre maison pour le courrier. Courrier. À l'intérieur, vous pensez? Ah, bonjour. Ça, c'est qui? C'est censé être moi, ça? Alors, gérer les DLC. Donc, bah, voilà les DLC. Moi, j'ai ces deux trucs-là. Je pense que c'était gratuit sur Steam. J'ai pas pris les DLC payants. Alors, j'ai un email. Début, salut Béa. Ah, je m'appelle Béa. Alors, blablabla, ouais, comment Far West? Je pose sûrement trop de questions. J'imagine que tu dois avoir pas mal de boulot. Ouais, j'ai beaucoup de boulot, en effet. La société Sedzi aimerait vous souhaiter la bienvenue. Merci. Ils nous soutiennent, blablabla. Enfin, si vous souhaitez obtenir des outils supplémentaires pour votre Aspi Pack ou des objets pour rendre votre élevage de slim plus facile, la société, voilà, sera ravi de vous les fournir via le magasin. Ok, ouais, d'accord. Il faut voyager à l'ouest, apparemment. Ok, dormir jusqu'au matin, revenir orange. Nous, on veut revenir au orange. Ok, on a que 11 balles. Oh, des carottes. Oh, j'ai aspiré des carottes. En dehors, on espère qu'il s'agit du meilleur ami des éleveurs. Les aliments tels que les fruits, les légumes. Il faut aller les nourrir, mesdames et messieurs. Tenez, des carottes. Voilà, bon appétit. Oh, il l'a bouffé. Oh, et il m'a donné un truc. Ah, voilà. Ok, c'est ça qu'il faut faire. Attendez. Là, il y en a un. Non. Oh, là-bas aussi, il y a un truc gros comme ça. Hop, apparemment, c'est ça qui me fait gagner de l'argent. Alors, on va remettre tout ça. Est-ce que vous connaissiez déjà le jeu, là? Dites-moi dans les commentaires. Moi, je suis tout nouveau là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais il est pas dans le poulailler? Ah, il y en a un deuxième. Oh. Allez, viens. Ok, j'ai un deuxième poussin, les amis. Voilà, dans le poulailler.
Est-ce que je dois leur donner aussi de la bouffe? Je sais pas. Alors attendez. Là, qu'est-ce qu'on peut créer ici? Donc on a fait le poulailler, on a un truc comme ça. On peut faire un jardin pour faire pousser des aliments apparemment. On peut faire le silo sur place ou à entreposer. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. L'incinérateur... Hein? On va mettre le feu à des slims? Mais non. Mais non, pas aux slims quand même. Et ici, c'est quoi? Vous en aurez bien besoin. Ça, c'est quoi? C'est pour les slims qui nagent? Aucune idée, hein, aucune idée. Pour l'instant, on n'a pas l'argent de toute façon. Donc, on va laisser ça comme ça. Et alors ici, quoi? Est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que je peux... je peux améliorer les murs. Donc, on peut mettre les murs plus haut. On peut mettre de la musique. La musique joue un air apaisant qui réduit considérablement l'agitation des slims. D'accord, d'accord. Un filet aérien qui couvre le haut. D'accord, ok. On a aussi un bouclier solaire qui projettera une ombre sur le corail afin de protéger les slims les plus photosensibles. Ah, c'est cool, on peut... Et un mangeoir aussi, qui dépose la nourriture dans le corail à intervalles réguliers. Et on peut le démolir. Et la collecte des plortes. Ah, ça c'est pas mal, c'est pour collecter tout ça plus facilement. Regardez, parce que là, j'ai de nouveau aspiré, sans faire exprès, un slim. Ok, bon ben, donc on peut créer plusieurs choses et on peut ensuite les améliorer. On a aussi des terrains là-bas. Peut-être que j'aurais plus dû mettre mes poulaillers ici et là-bas à garder pour les slims. Bon, allez, trêve de bavardage, partons à l'aventure. Ça c'est quoi? Pour activer la grotte. Oh, c'est un peu cher. On peut pas aller à la grotte maintenant. On peut aller... Est-ce qu'on a une map? Ah, on a une map. Oh, pas mal. Oh, 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 pas mal la map. Ok. Allez, allons voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Ça a l'air d'être ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va encore me demander de payer, c'est ça? Le labo vous permet de démarrer une carrière de slimologue. Ouais, mais là, j'ai pas de thune pour l'instant. Donc, on peut pas aller là-bas non plus. Est-ce que je peux mourir, vous pensez? Est-ce que vous avez envie que je teste? Allez, on y va! Wouh! Non! bah ouais, on est KO, en effet, on peut mourir. Ok, bon. Voilà, on est content de me revoir. Quoi? 12 heures plus tard? Oh non! Hé, hey, toi! Il s'est échappé, le coco. Attendez, ils ont la dalle, je pense. Hein. Ça, c'est quoi? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mes poules! Regardez ça! Oh, mes poules! Attendez, mais ils viennent... Oh! Il a bouffé la poule! Il a bouffé la poule! Il a bouffé la poule! Hé! Hey, oh non! Il a bouffé ma poule, le mec! Attendez! Toi, la poule, viens ici, je te mets en sécurité! Il a bouffé ma poule! Alors, attendez, c'était pas prévu. On va foutre le poulailler ici. Poulailler. Ah, je dois repayer si je veux le remettre. Oh non, zut! Oh, il, attendez, on va garder les poules pour l'instant dans l'inventaire parce que l'autre il a bouffé ma poule. Non mais, je m'attendais pas à ça. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? On peut aller par là-bas peut-être? Oh oui, le récif aride. Oh regardez combien de slim là-bas. Oh regardez combien de slim ici. Wow. Oh, moi j'aspire tout le monde. Oh, ils ont poussé on dirait. Allez, viens ici toi. Ah. À mon avis, on va pouvoir améliorer notre aspirateur. Oh, de la bouffe! Voilà, comme ça, peut-être qu'ils mangeront plus mes poules. Le fruit le plus commun. Oh, et des carottes, mais j'ai plus de place dans mon inventaire. J'ai déjà des poules. Bon, je l'ai eu, lui. Ouais, cool. 20, c'est le maximum de l'inventaire pour l'instant. Un œuf? Ce serait pas un œuf géant, ça. Ce serait pas un œuf géant, ça. On verra plus tard. J'ai le maximum de slim, les amis. On va aller les foutre dans l'enclos. Alors, je sais pas s'il y a une limite. De slim qu'on peut mettre par enclos. Mais bon, nous on va les foutre ici. Voilà, et on va leur donner aussi les fruits pour qu'ils puissent manger. Donc ça c'est la touche 4. Voilà. Vous battez pas, hein, pas de dispute, il y en aura pour tout le monde. Enfin non. Ok, on retourne là-bas. Et on va aller essayer de prendre les carottes. Comme ça on pourra les nourrir, ça c'est quoi? Pour activer. La dernière fois que j'ai été trop curieux, je suis mort, hein. Allez, on appuie. Bonjour Béatrix, je m'appelle Hobson Twilgers, éleveur explorateur, blablabla. J'ai été éleveur pendant plus d'années que je ne peux m'en rappeler. Et comme il ne restait en moi qu'une ultime aventure, je suis parti la vivre. Mais avant de m'en aller, je... Ouvre donc l'œil, tu trouveras des notes comme celle-ci, d'accord. Si tu souhaites entendre ce que... Ok, donc il y aura des petites notes un petit peu partout et on pourra avoir une petite histoire, je pense. On va inspirer les carottes. Carottes. Ou l'autre. Oh, le slim, il l'a bouffé. Allez, viens.
Oh, 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 regardez combien de slimes sont sortis du truc. Alors attendez, est-ce qu'on peut aller là aussi? Ah, ça c'est de l'argent. Mais là, j'ai plus de place de nouveau. Je peux monter là? Non, pas pour le moment. Alors j'ai de nouveau beaucoup de slimes. J'ai des carottes. On va aller leur donner à bouffer. Oh, regardez combien on en a déjà. Incroyable. Par contre, ça va être vraiment galère de looter les trucs là sans looter du slim. Laissez-moi passer. J'espère qu'il peut pas me bouffer quand même. Parce que moi je passe comme ça tranquillement. Imagine le truc qui me bouffe. Non, pardon, je voulais pas vous aspirer, mais je dois aspirer mes trucs. Comment on fait pour aspirer ça sans aspirer les slims? Ah, il va falloir vraiment améliorer le truc assez rapidement parce que là c'est un peu le bordel. Oui, oui, désolé. Oh, et en plus il y en a qui se sont échappés. Voilà. Tenez, je vous les rends. Voilà. Ok, on va aller vendre ça. Alors ici on a les tableaux, hein, donc ça coûte 12 pièces pour un, je pense. Voilà. Ok, là on a 150 pièces. Ok, donc c'est pas trop mal. Ça c'est quoi? Allez, vas-y, vole. Je peux voler. Ça c'est quoi aussi? Appuyez sur E. Oula. Ah oui, c'est Slimpedia. Ok, il explique un petit peu tout. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Bon, ben, on a encore 4 slimes ici. 5 slimes, pardon. On va aller les jeter là. Voilà. Et on va essayer de récolter ça. On fera ça après. On va prendre les slimes qu'on a ici. Et on va aller maintenant chercher de la bouffe. Et chercher ceci. Alors, je vais peut-être pas looter de plus de slimes pour le moment. Je sais pas si je devrais ou pas. Mais je vais surtout essayer de prendre la bouffe. Alors, j'en ai vu là-bas en haut. Ah, voilà, les carottes. J'ai beaucoup de slimes, mais j'ai pas beaucoup de bouffe, moi. J'ai des poules aussi dans mon inventaire. J'aimerais bien leur construire un truc, les poules. Et ça c'est quoi? Oh, ça c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça, vous pensez? Les amis, j'ai une caisse. Qu'est-ce que je peux faire avec la caisse? On n'en a aucune idée. On va la ramener chez nous. Voilà, on va la ramener ici. Hop, on verra après. En attendant, on va foutre des carottes chez eux. Tenez, 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 tenez. Ah, ils sont contents, hein. La caisse, est-ce que je peux l'ouvrir maintenant? Je sais pas à quoi sert la caisse. On va la garder là pour le moment. Tiens, ça d'ailleurs c'est pour améliorer je pense mon outil. Réservoir d'eau, d'accord. Ajoute un réservoir spécialisé qui vous permet de stocker de l'eau douce, ok. Un jetpack. Ah, là on pourra monter en haut du truc. Un cardio. Une puissance et une amplification du réservoir. Ok, pas mal, pas mal. Pas mal tout ça. Attendez, je vais juste prendre ici ça, le revendre. J'aimerais bien pouvoir créer un nouveau poulailler, le foutre là-bas en haut. Mais il faut aussi que j'empêche mes slimes de sortir, hein, parce que sinon ils vont aller bouffer mes poules à chaque fois. Alors attendez, parce que là, je dois récolter tout ça pour aller les revendre. Ouais, désolé les slimes, je vous aspire, mais après je vais vous remettre à l'intérieur parce que... Voilà. Allez, on a encore 15 trucs à vendre ici. Ça va faire pas mal de thunes. Voilà. On a combien là? 347. Alors, est-ce que je fais le poulailler? Est-ce qu'ils vont plus venir bouffer mes poules si je mets un poulailler ici? Je n'en ai aucune idée. On va foutre le poulailler là. Poulailler, hop, 400 balles. Ok. Est-ce que je peux l'améliorer? Alors, on peut mettre des murs plus hauts, mais ça coûte 350 balles. On peut mettre des herbes printanières. On peut mettre des vitamines. Alors, si je fous mon coq et ma poule, est-ce qu'ils vont venir les bouffer? Ah, ils ont l'air plus ou moins calmes. Quoique. Attendez, est-ce que ça, je peux le détruire? Démolir le terrain? Coût 100 balles? Il faut payer pour démolir? Oh non! Bon, je vous fais confiance, hein, les amis. Vous laissez mes poules tranquilles. Hein. Allez, au moins, comme ça, j'ai un petit peu plus de place maintenant dans mon inventaire. On va pouvoir aller récolter un peu plus de choses. Donc ça c'est bon, ici un peu de slim. Merci toi. Voilà. Alors il y a de la bouffe là-bas en haut aussi. On peut aller la récolter du coup. Il est marqué là-bas, ah, j'ai reçu un email. Ok. Il y a plein de slim là-bas. Je sais pas s'il faut en prendre encore et encore et encore des slim comme ça. Oh, un petit poussin, un petit poussin. J'ai pas envie qu'il remplisse mon inventaire pour l'instant. Hop. Prends ça. Waouh, les amis, regardez le slim là-bas. Oh, il est immense. C'est maman slim. Est-ce qu'on va chez maman slim? Et comment je remonte après si je descends là, moi? Ah, je dois faire tout le tour, c'est ça? On va voir maman slim. Oh,
Oh, est-ce que je meurs si je saute? Est-ce que je meurs si je saute? Je sais pas. Oh, oh, il y a des bleus. Oh, regardez le truc. Oh. Je peux pas l'aspirer. Je peux pas l'aspirer pour l'instant. Eh, hey, il y a quoi là-bas? Ah, je peux pas sauter. Oh, mais il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, les amis. Ah, lui, je peux le prendre, je pense. Lui, je peux le prendre. Oui. Yes. J'ai un nouveau slim, les amis. Est-ce qu'ils me font mal? Aïe. Oh. J'ai ma réponse. Oui, ils font mal. Non. Ah, laisse-moi tranquille. Je veux juste aspirer ça. Et les carottes. Ok. Pour le reste, je reviendrai après. Ok, les amis. On a un nouveau sort de slim. Alors, attendez. Oh, regardez là-bas. Il y a des slims gris. Oh, mais il y a tellement de trucs. Oh, c'est génial. Oh, c'est trop génial. Alors, attendez. Oh, ouais, ouais, reste tranquille, toi. Alors, attendez. Je vais aller ramener déjà tout ça en ville. À la ferme, plutôt. Et alors, on reviendra. Hein. Oh, mais c'est trop génial. Il y a tellement de choses à découvrir, les amis. En fait, c'est ça qui est cool quand vous prenez un nouveau jeu. Même le jeu, là, il est vieux. Mais moi, j'y ai jamais joué. J'ai jamais regardé vraiment une vidéo ou quoi dessus. Du coup, vous êtes dans une phase découverte. Et la phase découverte, c'est vraiment une des phases que je préfère dans les jeux. C'est vraiment trop cool de découvrir un nouveau jeu. Alors, on va leur foutre des fruits. Venez, les bouffer. Voilà. Ah, ils sont contents. Hein. Ils sont contents. Ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent. Alors, j'ai fait un haut fait. Piscine à balle. Ah, là. J'ai tapé à côté. Il n'y en avait pas deux que j'ai tapé à côté? Non, juste un. Ok. Voilà. Alors, mes petites poules là, comment elles vont? Ça a l'air d'aller, hein. Ils vont faire après des bébés peut-être. Je sais pas ce que je dois faire de mes poules, mais... Oh, lui, échappé. Ok. Alors, je vais pas mettre le slim bleu avec eux. À mon avis, c'est pas une bonne idée. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ça serait peut-être pas la bonne idée. Il faut que j'aspire tous les trucs là pour les vendre. Pour créer une nouvelle cage. Oui, ben désolé les slims, mais... Je voudrais looter tout ce que vous avez produit. Voilà. Il y en a un qui s'est échappé encore. Bon, tant pis. Hé, hey, toi, va pas manger mes poules. Hein. Reste là. Ok, on va vendre ça. Et puis, on a un courrier. On va aller lire ce que c'est. Voilà, et on a 250 balles. Je peux créer une nouvelle ferme slim, les amis. On peut créer pour mes slims bleus. On peut créer un nouveau truc ici. Acquérir. Bim. Regardez. Bim. Voilà. Waouh. Ils sont mignons. Mais ceux-là, ils me font mal, je pense, avec les pics si je les touche. Ouah. Ouais, ils font mal, en effet. Vous croyez que si je le fous... Attendez, on va faire une expérience. Désolé, c'est pas gentil, mais c'est pour la science, ok? C'est pour la science. On va voir, entre le bleu et le rose, qui est plus fort. Oh, 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 oh. Il va le bouffer. Non? Ah, ils sont amis? Attendez, ça a l'air de bien se passer entre eux. On va les laisser entre eux. On va voir si si l'amitié dure longtemps ou pas. Allez, on va aller à la maison. En attendant, bim. Et on a reçu un nouvel email. Salut Béatrix, je m'appelle Tora West. Je vais faire court vu le boulot qu'on a tous à faire. Je suis éleveuse depuis longtemps sur Far West. Et je suis à la tête d'un comité d'accueil de ta zone, d'accord? Ouais. Hein, tout ce que tu dois faire, c'est aller voir la borne de la zone d'échange tous les jours et remplir ta part du contrat. Ah! Quand d'autres éleveurs s'ajouteront à ton réseau, tu recevras un joyeux message de leur part. Ok, il y a une borne d'échange. Mais c'est ça, non? La borne d'échange, vous pensez? Oh, j'ai un appel. Alors, aide-moi, je vais m'assurer que tu aies ce que... Oui, quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, ok! Ouais, mais ça, j'ai pas encore. Hein. Elle veut 6 poules. Elle veut 3 comme ça et ça. Non, mais ça, j'ai pas, madame. Faut pas changer de quête. On peut pas. Alors, j'ai 19 minutes pour faire cette mission et elle me rendra ceci à la place. Ouais, mais là, pour l'instant, madame, je suis vraiment désolé. J'ai pas ce qu'il faut. Hein. Et entre eux, ça a l'air d'aller. Hein. Je veux pas dire, mais ça a l'air de bien se passer entre eux. Hein. Ici, on avait déjà essayé d'aller, je pense. Ouais, on peut pas pour le moment. Là-bas, on ne pouvait pas. Il faut continuer ici. Il faut continuer ici, je pense, au début. Parce que là, pour l'instant, j'ai que 27 balles. Donc, il nous faut plus d'argent. Par contre, il faut les faire bouffer. Hein. C'est en les faisant manger que... Oh, oh, c'est quoi ça? Viens ici, toi. J'arrive pas à l'attraper. Qu'est-ce qu'il faut faire?
J'arrive pas à l'attraper. Slim porte bonheur. Alimentation, viande. Oh, il a disparu. Ah, vous pensez que j'aurais dû lui donner de la viande et il m'aurait donné un truc en échange? Oh, oh. J'ai failli sauter là-bas. Oh, regardez ça. Oh, on va y aller, hein. Ils sont gentils, hein, les petits Slim. Soyez gentils, les petits Slim. Je viens en paix. Vous inquiétez pas. Je veux juste récolter tous les trucs là. Alors, je sais pas s'il y a vraiment un intérêt à avoir toujours plus de Slim rose ou est-ce que j'en ai assez avec la piscine que j'ai fait là-bas à la maison. Mais en tout cas, il y avait pas mal de petits diamants et ça, ça fait plaisir. Maintenant, pour ressortir, il faut faire tout le tour. Il y a quoi ici? Là, on rentre à la maison, je pense. Oh non, regardez! Oh, regardez, il y a des petits chats! Je les ai pas, ceux-là. Fort doux et charmant. Oh, il y a maman Slim! Oh, regardez comme ils deviennent gros! Ah, ils bouffent les chats! Attendez, oh, la poule! Je l'ai sauvée! Oh, non! Laisse-moi tranquille! J'ai sauvé la poule! Ils voulaient la bouffer! Oh, ils sont devenus immenses, ceux-là. Je peux pas les capturer, malheureusement. Nous, on va prendre les petits chats. On va les sauver. Je sais pas s'ils les bouffaient ou s'ils bouffaient autre chose. En tout cas, nous, on a pris les petits chats. Ouais, ok. On a pris tout ce qu'il fallait ici. Non, pas dans l'eau. Par où je sors, moi? Il y a rien ici, je pense. Alors, par contre, je peux prendre ça. Ok, donc on va retourner maintenant là-bas. On va sortir par ici. On va aller à la maison ou pas encore? Qu'est-ce que je peux encore attraper? Je peux pas attraper encore grand-chose. On va aller à la maison. Hop. Cours. Ça va, on n'est pas encore trop loin. On y est. Est-ce que je peux vendre des Slim? Je pense pas. Je pense pas. Ils sont pas sur le tableau en tout cas. Non, on peut pas. On peut pas vendre des Slim. Alors la poule, on va la foutre dans le poulailler. Ça va, jusque là elles ont l'air de bien aller. Les Slim roses, il y en a vraiment beaucoup. Tenez, encore un peu de Slim. Voilà. Par contre, il faut les nourrir, hein, tous ces trucs là après. Ça, on peut mettre ici. Ok. On a 267 balles. Est-ce que je crée un nouvel enclos pour le petit chat? Attendez, on va voir un peu ce que ça fait quand on les met ensemble. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, hein. Non? Je lui fais des câlins, regardez. Je fais des petits câlins. Oh, regardez, ils sont mignons, ils se font des câlins. Ah bah oui, ça va bien entre eux. Du coup, est-ce que je peux mettre quelque chose ici pour améliorer? Ça, c'est pour faire plus haut. On n'a pas vraiment besoin. Bah du coup, je peux mettre mes petits chats tigrés ici. Ça va, ils ont l'air de bien s'entendre. Ils ont l'air de bien s'entendre, on verra si l'effet de groupe leur donne pas envie de faire des bêtises. Par contre lui on va le prendre, on va aller le foutre quand même à côté. Avec les roses. Et donc ils produisent rien parce qu'ils n'ont pas à bouffer. Hé hé oh toi tu vas pas manger mes poules hein. Je te vois hein. Donc ils produisent rien parce qu'ils n'ont pas à manger. Donc il faudrait quand même que je fasse quelque chose pour faire de la bouffe. Où est-ce que je pourrais mettre ça ici? Est-ce que je mets ça là, un jardin? On va l'acquérir. Alors comment on fait maintenant? On fait de la bouffe avec ça? Ça c'est quoi? Vous allez construire un jardin, tirer un fruit ou un légume dans le réceptacle pour en faire pousser plus. Ok, ok, donc là maintenant je peux aller chercher des carottes ou les autres fruits là. Et on va pouvoir en faire pousser. Donc ça c'est bien parce qu'il me faut... Oh regardez. Oh, il y a de la nuit, il y en a des différents. Waouh, c'est comme les Pokémon. Oh, il y en a plein. Regardez, regardez. Waouh, les fausses... Hein? Et lui il va moins bien lui. C'est quoi ça? Il s'est pris le mur? Ou il s'est fait bouffer? Ok, j'en ai des phosphorescents les amis. Ok parfait. Alors moi je veux juste... Oh encore un. Hop. Moi j'aimerais bien juste aller chercher de la boue pour pouvoir la faire pousser après. Regardez ça. Oh là on va avoir de quoi remplir une piscine. Je voudrais juste de la nourriture. Alors je sais qu'ici on m'a attaqué tout à l'heure. Oh lui il a pas l'air gentil lui. Oh lui il a pas l'air gentil lui. Oh 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 oh. Je crois qu'il est pas gentil. Non non non, je crois qu'ils sont pas gentils. Je crois qu'il est pas gentil. Tiens va bouffer lui. Et laisse moi tranquille. Laissez moi tranquille. Je suis gentil. Je lui ai donné un slim à bouffer. Oh regardez,
Non, non. Ah, tu ne l'auras pas. Je l'ai sauvé. Oh, c'est génial. Alors par contre, j'aimerais bien quand même retourner avec de la bouffe. Mais regardez, ils sont blindés, hein. Ils sont blindés, hein, ils vont me tuer. Attendez, on va essayer d'y aller. Ah, vous ne m'attraperez pas. Vous ne m'attraperez pas. Oh, ici, il y a plein de thunes. Attendez, moi, je veux juste la bouffe. J'en ai vu là. Prendre ça déjà ici. Tout ça, moi je veux faire pousser tout ça. Attendez, on va absorber un max de trucs ici. Ça c'est quoi en fait? Oh, je sais plus ce qui se passe, je sais plus ce qui m'arrive, mais ça devient dangereux. Ça devient vraiment dangereux. Oh non, j'ai attrapé un méchant. Je sais pas ce que. Ah, alerte! Alerte! Hit! Je rentre à la maison. Ça devient trop dangereux ici. Je rentre à la maison, j'ai ce que je voulais, j'ai des fruits. Et en plus j'ai des phosphorescents. Et j'ai même un truc bleu. Allez, rentrons à la maison. Non, c'est trop. Trop dangereux pour des gens comme moi. Par là-bas la maison je pense. Ouais, c'est ici. Ok, donc on va regarder comment on fait pousser les fruits. Ah ben voilà, tiens, le tuto il me dit tirer un fruit. Alors attendez, c'est la touche numéro 3. Parce que forcément sans bouffe, on fait pas de... Quoi, je peux en tirer combien? Ah, je peux en tirer. Ah, ok. Donc là, j'ai choisi que là, ça sera la culture de ce fruit-là. Je peux pas encore les récolter. Il faut attendre un peu. Ok. Donc un fruit, c'était plus cassé. Par contre, ici, je peux leur en donner. Alors attendez, moi, je vais en donner à ceux-là. Là. Tenez, à bouffer. Quoi? Oh, ils ont trop la dalle! Regardez ça! Ils ont trop la dalle! Ils sont partis bouffer le truc! Tenez, tenez! Il y a à bouffer ici aussi! Regardez ça! Oh, le bordel! Ils ont trop la dalle, les pauvres! Hé, hey, qu'est-ce qu'ils ont? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas vu. Non, attendez. Attendez, attendez. C'est bon, voilà. Tenez, à bouffer. Oh là là, le bordel. Oh! Oh, j'ai un gros! Oh, mais il va bouffer tous mes chats! Oh! Oh, les amis, ils deviennent énormes! Mais est-ce que du coup, ils vont bouffer les chats? Est-ce que du coup, ils vont bouffer les chats ou pas? Alors, attendez, déjà, on va attraper tout cela. Petit leur enclos. Voilà. Oh, il y en a partout. Ils vont bouffer mes poules. Et ils vont bouffer mes poules! Et ils vont bouffer mes poules. Non. Il a bouffé mon coq. Oh non, le saligo. Oh, il a bouffé mon coq. Oh non, mon petit coq. Oh, le pauvre. Oh, j'ai mal pour lui. Ah bon, il a plus très mal. Attendez, ça on va vendre. Voilà. Regardez, regardez. Il veut aller bouffer mes poules. Saligo. Alors par contre, j'ai l'impression que entre eux... Ah, j'ai plus que deux chats. J'ai plus que deux chats. Ah non. Ouais, mais je crois que entre eux, ils se bouffent. Attendez, on va foutre un comme ça aussi. Regardez, regardez, regardez. J'ai trois chats et j'ai un flux phosphorescent. Est-ce qu'ils vont se bouffer entre eux? Oh. Oh. Ah, je croyais qu'il... Oh, il l'a éjecté. Viens ici. Pour ton bien, pour ton bonheur. Alors attendez, on va aller dormir. Je pense qu'on pouvait dormir ici à l'intérieur. Dormir jusqu'au matin. Voilà. On a été dormir. Bah mes petites poules, malheureusement, elles ont plus de poulet. Donc ils vont plus faire des œufs. Et ici par contre, on a nos fruits qui ont poussé. Voilà. Regardez ça. Et donc ça c'est vraiment cool parce que ça c'est important, moi j'ai besoin de fruits et légumes. Donnez à bouffer à mes trucs là, hein. Regardez, ils sont tous excités là. Tenez. Regarde, regarde, regarde. Oh là 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 là, regardez, regardez comment ils s'excitent. Dès que vous mettez la bouffe. Et regardez les autres là-bas, et moi aussi. Oh non. Moi je vais protéger mes poulets. Oh, lui il est trop gros, je peux plus en sortir. Alors attendez. Ici. Voilà. Bon, vous avez compris, je connais pas trop le jeu, je gère très mal, mais bon, je fais ce que je peux.
fais ce que je peux. Je sais pas, les combines pour gagner pas mal de thunes dès le début. En tout cas, les chats, ils ont pas l'air de se faire bouffer par les gros, donc ça c'est bon. Ici, j'ai pas mal de petits trucs que je peux vendre, mais pour les prendre, faut que j'aspire tous les slimes. Alors là, j'ai compris qu'il y a une manière de le faire sans aspirer les slimes, hein. Seulement pour l'instant, mais j'ai pas encore débloqué ce qu'il faut. Là, je vais faire. Je crois que j'ai pris trop de slimes en fait. Je crois que j'ai pris beaucoup trop de slimes par rapport à ce que je peux faire pour le moment. Parce que là, je ne sais pas les nourrir, je ne sais pas m'en occuper. Voilà. Et je vais créer. Est-ce que je crée encore un enclos et je mets les petits phosphorescents dedans? Je vais faire ça. Voilà. Tenez, restez bien sage, hein. Bon. Mais. Oh non. Ils peuvent s'échapper par le haut. Oh non. Tu es nul. Oh les saligots. Il faut agrandir les murs, les amis. On va agrandir les murs parce que eux, c'est vraiment des saligots. Toi, tu vas rester là. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va retourner. Ici, elle veut toujours... Ah, mais les petits chats, j'ai, hein. Mais les poules, j'en ai jamais 6. Il faut de l'argent. Il me faut de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut avoir de la bouffe que je peux leur donner. Comme ça, quand je leur donne la bouffe, je peux ensuite récolter des trucs. Je crois que j'ai pris beaucoup trop de slimes dès le début. Si c'était à refaire, je prendrais moins de slimes, je pense. Que j'ai au moins de quoi les nourrir. Ouais. Je pense, hein. Je sais pas si c'est la bonne strat, mais je pense que j'ai trop de slimes pour le début. Du coup, j'arrive pas à les nourrir. D'ailleurs, ceux-là, allez nager un peu. Les pauvres. Je sais pas s'ils savent nager. Ah, ceux-là, j'en ai plus. Ils sont fait bouffer. Les bleus, j'en ai plus les bleus. Ils sont fait bouffer, je pense. J'en ai plus les bleus. Ouais, ça. Oh, une poule. Attendez, alors qu'est-ce que je vire? Je vais virer celui-là parce que j'en... Ah non, 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 ceux-là, j'en ai plus à la maison. Oh, bon, tant pis, elle va se... Attendez. Regardez, regardez, hop. Il l'a bouffé. Oh, c'est trop marrant, ça me fait rire. C'est con, mais ça me fait rire. Du coup, les poussins, je les garde. Plein de poussins. Et les poules, tant pis. Je peux rien faire pour elles. Quoi ici? Qu'est-ce qu'on va trouver encore ici? Ah, des minerais. Peut-être que je peux miner après, je sais pas. Oh, un coq. Ouais, mais mon inventaire est full, hein. Et plein de chats qui tombent du ciel. Et ils se bouffent les uns les autres. Bon, bah écoutez. Voilà, je pense qu'on a fait une première petite découverte du jeu. Ça m'a bien plu. Je trouve le jeu assez fun. Le jeu me fait rire pour l'instant. Mais je pense que clairement, j'ai mal débuté dans ma partie. Enfin, en tout cas, je connais pas le jeu. Donc peut-être que j'ai simplement... Ma théorie, c'est que j'ai pris beaucoup trop de slim. Et donc, avec tous ces slim, eh bien... Comme ça, ne se pas transformer en repas, ouais. Oula. Oula. Ah ouais. Apparemment, il faut pas aller là-bas, les amis. Ok, on va pas aller là-bas pour l'instant. Je pense que j'ai trop commencé dans le sens où j'ai pris beaucoup trop de slim. Et le fait d'avoir beaucoup trop de slim, bah, j'ai pas ce qu'il faut pour les nourrir. Et donc, ils sont complètement fous, complètement surexcités dans leur enclos. Ils sautent partout, ils vont bouffer mes poules. Enfin, c'est le bordel, un vrai bordel. Je pense que si c'était à refaire, j'en prendrais un petit peu moins. Et je me focus peut-être un petit peu plus d'abord sur la nourriture. Et quand j'aurai assez de nourriture, j'augmente au fur et à mesure mon nombre de slim que je peux avoir dans ma ferme. Parce que là, regardez, si je mets un peu de bouffe ici, regardez les autres là, regardez, regardez, ils sont surexcités. Ils vont sauter vraiment partout. Ils vont sauter partout, regardez, c'est le bordel, c'est le bordel. J'ai beaucoup trop de slim. Bon. Je vais peut-être essayer d'arranger un petit peu ma ferme. Peut-être que je vais éjecter un peu de slim, je pense. Je vais en prendre un petit peu des slim. Je vais aller,
Je vais aller les éjecter à ma manière. Alors je sais comment m'en débarrasser. Mais on va les foutre ici. Voilà, on leur donne la liberté. Tenez. Liberté pour les slims. Hop, parfait. Parce que clairement, je peux pas m'occuper de tout ça. Ils vont à chaque fois bouffer mes poulets, ils vont à chaque fois s'énerver. Clairement, j'en ai trop. Voilà. Regardez ça. C'est trop le bordel. J'ai trop de slims, les amis. Allez, allez, allez vous amuser là-bas. Ok. Lui, il veut aussi aller... Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il faut que j'agrandisse mes trucs, hein, mais j'ai pas ce qu'il... Ok, bon, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode découverte sur le jeu Slim Rancher. Voilà, donc pour rappel, moi, j'ai pris le jeu à moins de 2 balles sur Steam quand il était en promo avec... les promos du Black Friday, les soldes Steam qui étaient valables jusqu'au 4 décembre. Donc en fonction de quand vous regardez la vidéo, peut-être qu'il sera trop tard, peut-être pas. Je sais pas ce qu'il faut faire une fois qu'on a des Slim géants. Est-ce que du coup ils vont me donner plus de loot? Je n'en sais rien. En tout cas, je vais continuer un petit peu mon aventure. Merci à vous de m'avoir suivi, c'était Shirostar sur la chaîne Shiro Gaming. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir de nouvelles découvertes. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu aussi. Voilà, ça serait avec plaisir. Alors attendez, est-ce que là je peux du coup... Comment ça marche les échanges? Ah ici. J'en ai pas assez, il m'en faut 12. De toute façon j'ai pas ce qu'il faut. Voilà voilà, allez, merci à vous. À la prochaine, c'était Shirostar sur la chaîne Shiro Gaming. Je vous dis à bientôt, ciao ciao. N'oublie pas de liker et surtout de t'abonner. Merci d'avoir regardé, Shiro Gaming c'est terminé. N'oublie pas de liker et surtout de